Nous allons voir maintenant l'exercice 4. Copie la phrase. Nous sommes toujours page 10. Alors notre phrase est bien composée d'une majuscule, le L majuscule. Elle se termine bien par un point. Nous allons lire tous les mots de cette phrase pour en comprendre le sens avant de l'écrire. Je vous montre les syllabes. On lit à voix haute. À mon tour, le lapin mange du pain. On trouve le son 1 avec trois lettres. A-I-N. Il faut trois lettres pour faire le son 1. Et nous n'oublierons pas de faire le point. On fera attention au L qui ira jusqu'à l'interligne du haut, au P qui doit aller jusqu'à l'interligne du bas, comme le G, comme le dernier P. Notre barre du D n'ira pas jusqu'à l'interligne du haut. Commençons l'écriture. Le L majuscule nous a été déjà écrit. On accroche au L majuscule le E. Part en diagonale, on fait l'arrondi. On s'écarte. Le L et le A de la lapin. La p p p. Je descends bien droit pour le P. Toboggan. Je remonte pour mon I. Les deux ponts du N. Lapin. Point sur le I. Mange. Je pars entre la ligne de terre et l'interligne pour commencer mon M. Je suis au milieu. Premier arrondi, premier pont, deuxième pont, troisième pont. Man. A-N qui font le son an. Man. Je descends ma boucle du G. Mange. Le lapin mange du arrondi, barre du dé, du pain. Et je descends bien à la verticale. Toboggan. Arrondi du A, barre du A, je remonte pour mon I, premier pont, deuxième pont, pain, point sur le I, point pour finir ma phrase. À vous maintenant, le modèle de correction est sur le blog. Très bonne journée.